your first. Yo tout le monde, c'est Dob, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les Hunger Games, donc ça lag aujourd'hui. Je vais pas avoir pas beaucoup de barres, si pourtant j'ai toutes mes barres. Oui, il y en a qui n'ont pas de barres, oui ça c'est vrai. Donc les Hunger Games, je m'explique, vous connaissez peut-être le film, vous l'avez peut-être vu pour la principale, pourquoi j'ai fait X. Ça fait un petit bug, donc vous l'avez vu pour la plupart. Donc c'est un peu le même principe, nous sommes tous 150 à peu près au départ et nous devons nous entretuer au bout de 2 minutes car la PVP n'est pas active au départ. Mais vous allez voir parce que je vais vous montrer. Donc je vous explique ce que je fais. Hein. Donc voilà, je vais être mineur. Donc les kits, qu'est-ce que c'est les kits? Donc ça se passe sur un site qui s'appelle minecraft-hg.net. Donc c'est un site de Hunger Games sur Minecraft. Vous aurez le lien dans la description. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc les kits c'est très important. Vous avez des kits VIP parce que vous pouvez être VIP. VIP c'est si tu payes. Donc par exemple tu vas payer 10€ par mois. Je sais pas combien c'est le prix, hein. Je sais pas sous les yeux. Et tu vas donc par exemple être VIP et avoir des classes supplémentaires. Des kits par exemple, des kits un peu mieux. Par exemple il y a Mineur Pro, là je vois c'est un nouveau kit qui vient d'arriver. Il permet de se TP avec une plaque de pression et du gravier. Donc tout ça doit être réalisé à l'aide de plugins. Mais bon je ne suis pas dans l'administration de ce genre de sites, donc moi je me suis mis mineur parce que mineur tu as une pioche en pierre dès le départ, donc je vous conseille de vous mettre comme ça. Après la plupart des gens, comme vous voyez dans le chat, se mettent barbare pour faire les bouffons, donc ils veulent pouvoir se protéger dès le départ, donc c'est pas une mauvaise tactique, mais bon moi ma technique c'est de m'enterrer et de survivre. Donc vous pouvez cheater aussi en utilisant le mode X-Ray, c'est pas forcément conseillé, je vous le conseille pas, hein. Bon, moi je l'ai mis comme ça, mais c'est pas. Je vous le dis tout de suite, je triche pas tout le temps. Bon, peut-être que je vais tricher avec vous pour vous montrer. Donc voilà. Donc il faut meubler là. Je suis dans une phase de repérage, mais comme je suis en train de vous parler, donc j'ai pas trop à faire grand chose. Donc on voit des gens qui vous demanderont des alliances. Moi j'ai fait personnellement, j'ai fait des alliances Skype avec des gens très sympas d'ailleurs. Même si vous les connaissez pas, hein, vous pouvez faire des alliances. Donc après les Hunger Games, je vous les conseille si vous êtes vraiment fort, si vous avez, si vous aimez le multi, l'aventure et tout, hein. Si vous aimez la construction, c'est sûrement pas ça qu'il faut faire parce que vos constructions, vous n'en ferez pas du tout. C'est plutôt genre survie à fond. Donc désolé si je lag un petit peu, hein, mais pourtant j'ai toutes mes barres. Mais regardez, regardez, il y en a un qui a une croix, GTA 65004, qui a aucune, lui il doit laguer comme un fou. Après vous voyez beaucoup de gens version craquée, un petit peu comme moi. Donc on voit que ça va commencer dans 20 secondes, donc je vais pas. Forcément, donc là vous voyez, j'ai des pastèques. Bon, je sais pas si je vais foncer tout de suite dessus. Je vais plutôt me concentrer sur les arbres. Donc je vais suivre un petit peu la foule. Bon, je vais me brouiller vite. Faut voir les arbres. Bon, c'est parti, attention. Ça y est, c'est parti. Donc j'ai mes pioches, j'ai tout le bazar, tous mes kits. Donc la boussole, évidemment, l'éternelle boussole. Alors la boussole, à quoi elle vous sert? La boussole, elle sert à. La boussole sert à faire des choses un peu pas. À repérer les joueurs au bout d'un moment quand la PVP sera activée. Merde, même ils se trouvent sur les pastèques et pastèques et pastèques. Putain, j'ai rien. Non, ça marche pas. Ok, bon, bah, je vais fuir tout de suite, moi. Donc alors oui, il va falloir que je commence à m'activer parce que j'ai rien, j'ai pas de bois, j'ai rien. Donc si j'ai pas de bois, je vais finir par crever comme une merde. Et ça me plaît pas. Bon, je vais sûrement crever rapide hein, parce que je suis pas forcément très fort. D'ailleurs, si vous gagnez le Hunger Game, vous êtes VIP pendant une partie. Donc c'est un petit encouragement à payer, hein. Vous l'avez compris. Tiens, des arbres, parfait. Bon, une minute, j'ai un peu gâché mon temps là, essayer de toucher les pastèques pour au final ne pas en avoir. Mais c'est pas grave. Parce que je suis un warrior un petit peu. Tiens, vous voyez, il y en a un qui vient de quitter le jeu devant moi. Comme je vous le dis, je lag. Si j'arrive à faire une bonne vidéo dans ces conditions, ça va être parfait. Donc oui, hein, je m'embête pas à couper tout l'arbre, hein, j'en coupe 5 branches. Moi, je me fixe un petit nombre de 5. Et je vais m'enterrer. Hop. Bon, je vais tricher un petit peu. Voilà, par exemple, je vois qu'il y a un ennemi là.
Et je vais en profiter pour aller m'enterrer. Très délicatement. Et je sais pas si c'était une bonne idée de faire ça. C'est pas grave. Je suis un petit fifou quand même de me mettre là. Voilà. Je suis enterré. Non. Je vais pas tricher. Je vais pas tricher puisque je suis avec vous, hein. Puis je triche pas souvent, c'est pas mon truc de tricher, moi je m'amuse, c'est tout. Donc je vais donner des petites nouvelles de ma chaîne Dobby Edit qui va continuer, qui est là, toujours pour vous servir. Je vais me planquer parce que là il y a des mecs qui sont en train de se battre. Vous voyez, il y a du monde. Bon, je vais tricher un petit peu parce que je suis pas. J'ai un peu la flemme de m'embêter. Donc vous voyez, avec X-Ray c'est parfait, vous pouvez voir par exemple que là j'ai du métal sous mes pieds. Et vous pouvez activer la luminosité. Bon, il y a du mec qui meurt là, y a du kill. Il y a du skill aussi. Donc oui, ma chaîne Dobby Edit continue, hein, mais c'est juste que j'ai des petits soucis, j'essaierai vraiment bien. Bon, je vais commencer à miner, ça y est, c'est parti. Bon, comme j'ai vu qu'il y avait un peu de métal. Bah moi ce que je vais vous montrer c'est un peu la méthode Warrior. C'est ce que j'adore faire. C'est vous cherchez le métal. Vous le prenez, vous en prenez à peu près pas beaucoup, hein, vous en prenez que 3 par exemple. Donc je vais activer la luminosité, ça va être plus simple. Pour vous, pour comme pour moi. Après vous minez un four, putain on entend des éclairs, c'est normal, c'est parce qu'il y a des gens qui se font tuer, regardez, dès qu'il y en a un qui se fait tuer, il y a un éclair. Par exemple, là je suis en train de me faire un petit four. Je sais, c'est horrible, hein. Mais c'est très bien, c'est un très bon. Je suis bien parti, hein. Je vais baisser le son du jeu. J'espère que ça fera un peu moins de bruit. Voilà, ça fait déjà moins de bruit. Je préfère ça. Donc ma chaîne Dobby Edit va continuer. Ça va être un peu. Je vais faire des edits principalement, mais bon, c'est plutôt. Je me consacre aux edits, quoi. C'est ma chaîne de gaming, donc. Sur Minecraft, il faut pas que je fasse des vidéos trop longues parce que sinon ça va mettre un rendu de taré. Mais c'est pas grave, je vais pas me faire, hein. Je vais pas me faire tuer exprès pour ça. Hein. Voyez, vous prenez, allez hop, vous faites à la one again comme moi. Vous prenez deux fers, allez hop, c'est parti, on y va, allez hop, moi je suis devenu fou. Voilà. Hop, c'est parti. Tac, épée en fer, voilà. Fifou, à 100%. Je baisse la luminosité. Et je vais m'attaquer au petit noob. Ah, ça lag. Putain, je vois plus rien. Merci. Donc alors attendez. Ah, un noob. J'adore les noobs. Parce que j'adore les faire chier avec mon épée en fer. Ouais, mec. Et ouais, t'es foutu. Regarde comment je lui sautais dessus. Regarde. T'es foutu. Et voilà, il est mort comme une merde. Putain, il y avait du métal la pute, hein. Il a pas eu de chance. Il est tombé sur plus fort que lui. Par contre, j'ai rien à manger, du coup, je vais me faire un petit peu niquer. Donc, c'est génial. Tiens, vous devez voir sur ma petite barre de tâches en bas à droite que j'ai After Effects et Photoshop. Ça permettrait de faire mes miniatures, mais j'y connais rien Photoshop donc. Je vais pas faire. Je ne sais pas faire. Putain, je suis dans la merde quand même. J'ai rien à bouffer. J'ai pas un petit mouton par ici, hein, qui pourrait me. Je triche, je sais. Oui, bon, c'est bon. On aurait triché un petit peu. Vous feriez quoi à ma place, hein? Vous avez juste appuyé sur une touche pour tricher. Peut-être que lui avait à manger. Un joker. J'ai tué un joker. J'ai tué un joker qui avait rien à manger parce que comment je peux dire que c'est un joker, il y avait de la TNT. Et assez pour faire des pièges en redstone. Bah joker c'est pas génial, hein. Moi j'aime pas trop ça. J'ai essayé une fois, ça m'a pas trop plu. Bon, le truc qui revient à la mode avec les Hunger Games, c'est la soupe aux champignons. Et oui, il y en a qui mangent. Moi je personnellement j'en mange aussi. Donc où est-ce qu'ils sont ces petits amis? Les petits amis du 21e siècle, non, ça c'était mon ancienne phrase, c'était nul quand même. Mais non, je déconne, c'est pas. Bon, après, si vous avez aimé. Ah ouais, mais la neige c'est chiant ça. Oh, putain, je vais pas me.
Oui, j'ai envie de tricher, bordel! J'en ai marre, arrêtez de dire que je suis con! Allez, il y a du mec qui meurt là, ça tombe un peu moins. Oh, mais il y en a encore! Il y a encore de quoi fighter, hein! Par contre, à manger ça, il y en a pas. Parce qu'on peut crever de faim, d'habitude on crève pas de faim en survie, mais là, c'est activé! Donc je vais sûrement finir par crever de faim comme une merde. Ouais. Ça va être cool la vie. Suffocated in a wall, il s'est noyé. Oh putain, quel bouffon. Ah, je crois que c'est ça. Suffocated, ou c'est qu'il avait trop faim. Non, je crois que c'est. Putain, j'entends du bruit. C'est de la lave, ça, c'est du bruit de lave. En plus, je verrai le nom des mecs sinon. Bon, alors, tiens, un mec qui parle, un barbare. Un barbare de vivant. Oh, du chicken. Du chicken poulette. J'aime ça, moi, le poulet. Allez, petite. Au secours, viol! Et voilà, je suis mort. Et voilà, c'est fini. Bon bah merci d'avoir vu cette vidéo. Donc vu que je suis crevé comme une merde, je rappelle qu'une seule adresse, minecraft-hd.net. Donc voilà, vous aurez ça, vous verrez. Une game débute dans une minute. Vous y allez vous connecter. Et moi, ça va mettre. Vous pouvez pas vous connecter parce que le serveur ne vous accepte pas. Voilà. Le serveur est plein, patiente. Donc voilà, donc je vous conseille aussi de vous mettre des petits serveurs d'attente, par exemple si vous avez rien à foutre, par exemple j'ai Oxycraft et serveur d'attente PVP. Oui, j'ai minecraft-mc.fr, mais vous verrez hungergame-mc.fr. Donc ces deux adresses, ce seront dans la description si vous voulez. Donc ça c'est plus français je crois, hungerway.fr, oui voilà, donc ça c'est en anglais. Donc le event, il y a du diamant et les autres, il n'y a pas de diamant. Donc salut! Donc c'est fini, donc je vous promets, c'était, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, donc un petit like si ça vous fait plaisir, j'espère que vous avez bien aimé, et on se dit à plus. T'abonner sur le troll face.